Depuis leur création, il y a 57 printemps, les cercles des jeunes naturalistes ont éveillé plusieurs générations de jeunes à la nature. La botanique, l'entomologie, l'astronomie, l'ornithologie sont quelques-unes des disciplines scientifiques vulgarisées par les publications et les activités des cercles. À partir de l'observation de la nature, les jeunes en viennent à mieux connaître leur environnement et vouloir le protéger devient chez eux une seconde nature. Le regard que posent certains jeunes naturalistes sur l'état de leur environnement est tantôt grave, tantôt optimiste. Nous avons suivi leurs activités et recueilli leurs réflexions, alors que cette année, le thème de CJN est « Ma qualité de vie, c'est important ». De directrice des cercles des jeunes naturalistes actuellement. Les cercles des jeunes naturalistes ont quand même une longue histoire derrière eux. Qu'est-ce qui a motivé leur création en 1931? Ils ont effectivement une longue histoire. Je pense que c'était pour répondre à un besoin auprès des jeunes de découverte de la nature. Et ça a été fondé par le frère Adrien Rivard qui avait pour but de faire connaître aux jeunes l'étude des animaux, l'étude des plantes. Alors à ce moment-là, les activités des cercles des jeunes naturalistes étaient intégrées à l'éducation privée, ils étaient intégrés au programme scolaire. Ils avaient donc des objectifs de formation pédagogique et scientifique. Et c'était reconnu comme un organisme d'utilité à cette époque-là. Maintenant, les années ont passé, puis entre les années 1961-1970, l'époque de la Révolution tranquille, les jeunes naturalistes se sont retrouvés dans le milieu du loisir. Alors, ils offraient des activités de loisirs et des activités parascolaires dans le domaine de la vulgarisation scientifique et plus particulièrement les sciences naturelles. Et les jeunes naturalistes ont passé d'organismes d'utilité à organismes de jeunesse. Ils étaient donc reconnus par le ministère de la Jeunesse en 1961. Et pour ce qui est des années 70 jusqu'à aujourd'hui, bien, nous sommes un organisme du monde du loisir, subventionné par le ministère Loisirs, Chasse et Pêche, et un organisme à la fois dans le secteur municipal et dans le secteur parascolaire. Alors, nos objectifs se sont développés beaucoup et on a conservé évidemment le volet de découverte de la nature, d'études des différentes sciences naturelles, mais aussi on a développé le volet sensibilisation à l'environnement, au milieu de vie, protection de l'environnement. Alors, on a donc voulu finalement faire aimer la nature aux jeunes pour qu'ils aient le goût de la conserver, de la protéger. Et aujourd'hui, nous sommes membres du regroupement Loisirs Québec, nous sommes membres de la Fédération québécoise de plein air, et puis nous regroupons un très grand nombre de jeunes. Et comme vous pouvez voir, les jeunes naturalistes en ont plusieurs, des pages d'histoire. Alors, à travers les années, ils se sont impliqués dans les milieux de la jeunesse, les milieux de l'environnement. À présent, vous comptez environ 170 cercles répartis dans cette région de la province. Comment on parvient à coordonner cet ensemble? Voyez-vous, justement, nous avons 7 régions administratives qui se trouvent à régir les affiliations des cercles. Alors, ces 7 régions-là, pour les nommer, on a l'Est du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sont des régions où on retrouve un très grand nombre de cercles. Québec, Montréal, Richelieu-Yamaska, Lanaudière et l'Estrie. Alors, ce sont les instances régionales, si vous voulez, qui regroupent les différents cercles dans les régions respectives. D'accord. Comment pensez-vous qu'un jeune vient s'intéresser au cercle des jeunes naturalistes, surtout un jeune qui a 6 ans peut déjà faire partie des cercles? Bien, je pense que quand on a 6 ans, ou même qu'on a moins de 6 ans,
On aime la nature, c'est quelque chose de naturel. Je pense qu'il n'y a pas un jeune qui n'aime pas les animaux, qui n'aime pas les plantes, qui n'est pas fasciné par tout le beau spectacle qu'on peut voir dans la nature. Alors je me dis, à partir de ça, il y a déjà un intérêt de base. Puis finalement, le cercle des jeunes naturalistes leur donne des moyens de découvrir, de développer cet intérêt-là par différentes activités d'observation, excursion en nature. Marjolaine, les jeunes qui sont au CGN découvrent la nature, mais par quels moyens? Quels outils sont mis à leur disposition? OK, alors les outils que les jeunes peuvent obtenir des CGN, c'est des volumes, des publications, une revue. Aussi, on a des diaporamas et des logiciels. Les revues sont-elles des revues descriptives avec des expériences ou des revues sur les nouvelles des cercles? OK, alors je vais te présenter la revue. C'est la revue Le Naturaliste et elle comprend une foule d'activités. Okay, elle a des articles de fond sur des sujets d'actualité et aussi des sujets environnementaux, des sujets de botanique, zoologie, entomologie, alors toutes les sciences naturelles. Puis, il y a aussi de l'information qui est donnée aux jeunes sur des publications gratuites qui peuvent se procurer, des nouvelles publications, des rendez-vous à ne pas manquer. Puis, également, bien, on traite un petit peu des nouvelles des CJN. Là. C'est un petit peu aussi le lien là, entre les cercles de chaque région. Mmh. Le dernier né des outils sont les logiciels, les écologiciels que vous appelez. Mmh. Comment vous est venue l'idée d'en arriver aux ordinateurs? Bien, les CGN voulaient quand même pas manquer le détour de technologique. Alors, ils ont décidé de mettre sur ordinateur des clés d'identification pour essayer de démystifier cette clé d'identification, pour la rendre plus accessible à des jeunes. Et dans l'ensemble, comment ce nouvel outil est apprécié? Les jeunes aiment beaucoup travailler sur ordinateur. Là, présentement, on a le logiciel des impôts, notre dernier né, qui est en présentation au Salon international de la jeunesse. Puis il y a des jeunes, il y a un petit jeune de 8 ans hier qui s'amusait dessus. Puis vraiment, les jeunes sont surpris. Ils se disent, je peux identifier un insecte en 5 minutes, 10 minutes, je connais rien là-dedans, puis je suis capable. Alors, c'est un peu fantastique. Là. Nous, c'était vraiment notre but. Aussi d'autres choses de la nature? Pas vraiment. C'est mon intérêt spécial là-dessus.
Comment le cercle des jeunes naturalistes te fait découvrir ton amour pour les insectes? Ben la plupart du temps, c'est ils demandent comment les mettre en étalage, puis tu peux les montrer dans les expositions, comme ici au Salon de la jeunesse. Puis, ils te fassent découvrir des insectes que tu connaissais pas. Que tu fais des expériences, tu en élèves, toi, des insectes? Ben, des fois, mais c'est, ma mère, elle aime pas bien ben ça. Je te remercie, Eric. Tu as déjà eu des cours à l'école d'écologie. Qu'est-ce que tu préfères, les deux? Les CGN, les cours de naturalisme. C'est plus renseignant. On explore plus la nature que l'écologie. Est-ce que tu as le choix de faire les expériences que tu veux ici? Ben, pas moi, dans un sens, mais on a les expériences qu'on fait en groupe. Et qui est-ce qui décide des expériences? Ben, c'est notre monitrice. Oui. Yolaine, qu'est-ce qui fait que tu choisis telle expérience plutôt qu'une autre? Ben, disons que j'ai quand même toujours des choses à préparer d'avance. Là, on fait des choses spécifiques. Ça peut être une soirée où on va observer quelque chose au microscope. À un moment donné, ça peut être une dissection. À un moment donné, on fait une étude de poisson. Alors, on a fait une dissection de poisson. On observe le poisson. Premièrement, on l'observe vivant dans l'aquarium. Puis ensuite, on a des poissons... sont disséqués, tout ça. Enfin, on essaie de toucher un petit peu à tout, que ce soit botanique, ornithologie, les oiseaux, les insectes, les mammifères. Donc, il y a toujours une expérience là, là-dessus. Maintenant, ça se fait environ à tous les 3 semaines où on fait un petit quelque chose de spécial habituellement. Il peut y avoir aussi des sorties aussi qu'on fait, pas nécessairement le mercredi soir, parce que nos rencontres sont le mercredi. Mais bientôt, là, comme au mois de mai, on va aller visiter le Musée des sciences et de la technologie à Ottawa, enfin, des petites choses comme ça qu'on fait durant l'année. Toi, Isabelle, tu es la plus jeune du groupe. Est-ce que tu trouves que des fois, il y a des expériences qui sont un peu trop difficiles pour toi? Ah non, je me trouve assez bonne dans toutes les expériences à peu près parce que j'ai un peu d'expérience dans tout, un peu. Ouais. Est-ce que des fois, comme vous êtes ensemble pour préparer une exposition avec Luc, de quoi ça va traiter? Ça va traiter des microbes, puis notre thème, ça va être un muscule jardin zoologique. Mm-hmm. Puis, je sais pas, là, je trouve un peu ça difficile. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? Ben, c'est parce que ce thème-là, c'est... Je pense que ça va attirer pas mal de gens parce qu'ils ne savent pas ce que c'est ou juste. Des microbes? Oui. Ouais, est-ce que tu sais ce que c'est exactement? Oui, je sais pas mal ce que c'est. C'est quoi? Ben, c'est comme notre peau est composée de petites cellules qui fait comme la peau. C'est pour ça. C'est comme ça, les microbes qu'on a dans notre corps. Quand t'as la grippe, est-ce que c'est des microbes? Oui, c'est des microbes. Mais ils sont pas trop méchants? Oui, ils sont assez méchants. Ça fait combien de temps que tu viens au cercle des fouineurs? 3-4 ans. T'as commencé à quelle heure? Je sais pas vraiment. ça fait trop longtemps que j'ai fait ça. T'as l'intention de continuer? Oui, assez longtemps. Oui, ça te plaît bien? Oui. Est-ce que tu penses que tu veux devenir animateur? Ça, je sais pas. T'aimerais ça? Oui. Ouais. Toi, Sandrine, tu es un peu nouvelle, ça fait à peu près un an que tu es rentrée. Comment ça se fait
où tu as entendu parler des cercles de jeunes naturalistes? C'était une bibliothèque, il y avait un pamphlet, puis là, ça disait un cercle des jeunes naturalistes, puis j'ai appelé, puis ça m'a intéressée, c'est ça que je suis venue. Qu'est-ce qui fait que tu étais intéressée par le programme? Ben, j'aime beaucoup les sciences, la nature, puis les animaux. Fait que vu que je voulais être, je voulais me lancer là-dedans plus tard, c'est ça que j'ai décidé d'avoir un peu d'expérience. Tu veux être biologiste? Oui, c'est ça que je veux faire. Et toi, Josée? T'es venue avec Sandrine. Est-ce que t'as l'intention toi aussi de faire partie, de faire une carrière dans la biologie? Oui, je voulais faire un biotechnologue. Et puis tu penses que les cercles des jeunes naturalistes, ça va petit à petit t'amener à t'intéresser de plus en plus? Ben oui. Qu'est-ce que tu prépares pour l'expo science? Ben sur les plantes carnivores, insectivores. Alfred Rioux, vous êtes ici, je dirais, dans votre environnement naturel, puisque vous êtes le conservateur du musée écologique Cégiane Vanier. Comment tous ces beaux spécimens d'animaux sont venus ici? C'est un peu vrai que je me sens chez moi ici, puisque depuis 1985, nous avons pu aménager ce petit musée écologique au bénéfice des jeunes naturalistes de la grande région de Montréal, Laval, et aussi au profit des étudiants de l'école Vanier. À l'origine, ce musée ou ces spécimens étaient la propriété des frères de Sainte-Croix du Collège Saint-Sévère. Et un jour, cette communauté a offert aux jeunes naturalistes la possibilité d'acheter des spécimens. Par la suite, on a reçu beaucoup de dons de la Congrégation des religieuses Notre-Dame, par exemple, du ministère Chasse et Pêche du Québec, ce qui nous a permis d'accumuler une véritable richesse. Combien à peu près? Nous avons une collection qui, au total, est évaluée à quelque 60 000 $ et compte plusieurs centaines de spécimens, très, très variés. Comment avez-vous aménagé le musée? Selon quelle logique? On a tenté de replacer les animaux dans leurs petits habitats naturels. Et je dois vous dire que nous sommes fiers de la réalisation parce qu'elle a été faite par de jeunes naturalistes, mais de véritables artistes, comme vous pouvez en juger par vous-même. Ça a pris tout un été. Oui, grâce à un projet gouvernemental, fédéral, Défi 85, nous avons pu faire travailler 3 étudiants tout l'été et obtenir le résultat que vous pouvez observer maintenant. Alors, ici, on se retrouve avec combien de micros? Oui, on retrouve 9 petits écosystèmes. Mm-hmm. Peut-être que vous les énumérez rapidement. On peut reconnaître facilement les habitants de la mer, leur milieu, l'étang, la forêt feuillue, la montagne, le champ, la forêt conifère, la région subarctique et la région polaire. Ce sont tous des animaux qu'on retrouve au Québec? Oui, nous avons sélectionné les spécimens pour ne prendre que ceux de chez nous. C'était d'ailleurs le thème à l'étude au cours de la présente année chez nos jeunes naturalistes, la nature chez nous. Madame Montpetit, vous êtes professeure d'écologie, entre autres, à la polyvalente Vanier. Vous dispensez vos cours au musée, parfois. Vous ne devez pas vous ennuyer ici. Non, je ne m'ennuie pas ici. J'amène mes élèves pour 2 cours très spéciaux ici. Au début, on les amenait visiter le musée, comme on visite un musée quand on est des touristes en vacances. On faisait le tour. Et vous savez que quand on fait le tour, on ne voit pas grand-chose. On voit quelques petits animaux, quelques oiseaux qui nous frappent, mais pour le reste,
on sort du musée en question, puis on a dit, ben c'est beau, mais on se souvient de rien. Alors moi, je les amène au musée, je les fais asseoir à terre devant chacun des écosystèmes. Je les divise en équipes de deux. Et là, j'essaie par tous les moyens possibles de les amener à se mettre dans l'ambiance de l'écosystème. Alors, ceux qui sont au bord de la mer, je leur dis d'écouter les vagues, de regarder et d'imaginer qu'ils sont vraiment là. Et là, ils ont un petit devoir, une série de questions. Alors, ils doivent identifier des animaux qui sont dans le paysage de l'écosystème. Ils doivent identifier des éléments non vivants de l'écosystème. Il y a même des notions sur lesquelles on revient, des notions qu'ils avaient dans leur écologie même. Et c'est extraordinaire le résultat que j'ai obtenu après trial and error. La première visite, ils viennent, quelques-uns disent « Oh, oupi, je suis content », d'autres disent « Je l'ai déjà vu ». Mais généralement, dès la deuxième visite, ils savent quoi faire, ils s'assoient. Et c'est calme et c'est intéressant. Je suis très, très contente. Je suis pas la seule à avoir pensé à ça. Là. J'ai eu de l'aide pour le document, puis de l'aide dans la façon là, d'aborder le musée. Mais c'est merveilleux. On a un musée, puis on a trouvé une façon vivante de travailler. Par rapport à la pollution, mais moi je le sais, je n'ai pas pollué, faire exprès, j'étais mes enfants par terre, puis côté mes amis, j'essaie de les sensibiliser quand admettons, je les vois que j'ai quelque chose à terre, ben voyons, tu sais, puis ben c'est surtout, il y a un petit peu de désespoir dans le fond, mais il faut pas le laisser aller, parce qu'il faut plutôt avoir de l'espoir, parce que sinon ça ne se réglera jamais. J'aimerais être un personnage assez haut pour leur dire de ramasser leurs déchets. C'est trop négligent. Ben, moi, je pense qu'il attache l'importance parce que c'est rendu une question d'argent plutôt. Et puis, je veux dire, l'effet, la pollution, c'est pas juste les déchets individuels. Il y a aussi la question que une industrie qui pollue, qui commet une faute, si elle a une amende, ça va être une amende minime qui va faire tout simplement baisser l'argent que cette compagnie-là va faire. C'est pas assez pour que l'industrie arrête de faire, arrête de commettre l'égalité. Éric, toi, comment tu imagines la ville dans 20 ans, la ville de Montréal? Dans 20 ans, ben, je l'imagine très polluée. Puis si je compare avec aujourd'hui, très polluée, puis on pourrait peut-être plus habiter à Montréal. Il y a beaucoup de personnes qui vont mourir de cancer à cause de la pollution. J'espère que tu es un petit peu moins pessimiste, toi, Stéphanie. Ben, moi, je dis que si tout le monde s'y met tout de suite, on fait un effort. Peut-être que Montréal, on ne redeviendra pas comme avant, mais on peut peut-être améliorer ça, puis ça va venir plus beau. Tu imagines beaucoup d'arbres? Non, ben, je pense pas qu'on puisse retourner 20 ans, là, mais même plus que ça, mais si on veut, on peut. Toi, Philippe, ton idée là-dessus? Moi, je crois qu'on a déjà commencé à voir la ville telle dans 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a déjà des problèmes asthmatiques pour certains quartiers très pollués. Plus la pollution est grande, plus on s'élève dans les airs pour les tours d'habitation. Je pense que dans 20 ans, ça sera peut-être un globe de verre qui remplacera pour nous protéger si personne ne fait quelque chose.
Qu'est-ce qui vous choque le plus quand vous regardez autour de vous sur la pollution? L'indifférence des gens, puis le plaisir que certains ont à exploiter la pollution pour faire de l'argent. Toi, Eric? Ben, c'est que de voir du monde qui prend pas la peine de mettre des déchets dans des poubelles, qui jette ça partout, mais il y a aussi les usines qui envoient leurs déchets ou qui font des papiers. Je vous remercie tous. Bonjour, mon cher Daniel Evembe. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement ici, dans cet endroit perdu? Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les cercles des jeunes naturalistes. Nous sommes à Longueuil, au parc Michel Jatron, oui, pour l'Assemblée générale annuelle. On a réussi à réunir à peu près 50 membres qui sont déjà dans la salle pour préparer l'année à venir et pour faire le point de l'année qui vient d'écouler. Vous connaissez que les cercles des jeunes naturalistes, on s'occupe des sciences de la nature et de la protection de l'environnement. Donc là, nous sommes en pleine nature et nos AGA se font souvent dans les endroits qui sont dans la nature. Alors, je vois de loin, il y a d'autres amis qui sont venus, bien qu'un peu en retard, mais les choses vont se passer très, très, très bien aujourd'hui. Et moi, j'en profite pour dire un petit salut à Vicky Le Sieur, que nous aimons beaucoup. Effectivement, l'endroit a été choisi par Mme Vicky Le Sieur, qui était notre coordonnatrice générale et que l'on n'oublie vraiment pas. Pour le moment, je pourrais dire que les choses se passent très, très, très bien.